partage ne la moƴƴa, on va essayer d'en parler. Hanki débat on ndaarube débat hanki jom ko Amtro TV hakkunde amin e Mamoudou Silla wawɓe ndaarude débat on tigi ɓe faami wondema ɓeeɗo ɗen ko himɓe satanɓe, ko himɓe malhonnête ɓe. O invite, il a invité des gens spécialement. Il a invité des gens spécialement pour venir me saboter. Il a invité des gens, Monsieur Bachir, bonjour. Il a invité des gens pour venir me saboter. Million ko clan, Yugi, clan. On nous a dit, c'est très important, évite aux pages qui m'a dit. C'est très important d'éviter les pages de ces satans-là. Ce n'est pas normal. Regardez, pour un débat entre moi et lui, il est parti chercher des groupes de gens pour venir saboter, pour venir me saboter. Alors que la vérité restera toujours la vérité. Donc moi j'ai laissé jusqu'à, il a menti jusqu'à la fin. Et je vais maintenant montrer au monde entier lui-même ce qu'il disait. J'ai fait la vidéo que lui-même il avait, des vidéos que lui-même il avait parlé, des interventions qu'il avait fait quand il disait la vérité. Quand il n'y avait pas de l'argent au milieu, quand on ne l'avait pas payé, quand il parlait ce qui était dans son cœur. J'ai fait sortir ces vidéos. Sincèrement, le monde entier a vu, tous ceux qui ont regardé. Et je pense que les gens continuent à regarder parce que beaucoup de gens ont partagé. Donc, on avait en ligne. En ce moment, je pense qu'on était près de 1000 personnes en vue, en live. Donc, voilà. Aujourd'hui, moi, je suis venu aujourd'hui pour décortiquer cela, pour en parler encore parce que c'est des satans. C'est des satans, ces gens-là, c'est des satans. Il faut que les Guinéens sachent que nous avons en face de nous des satans. C'est des gens qui ne sont même pas du RPG. C'est des gens qui sont là à cause de leurs intérêts personnels. Il faut que les gens le sachent. Kalasikudo, be wonbe gingande do Alpha Condé, wonbe do den, Occident do den, wadugo live di gingangol Alpha Condé, libérer le champion, libérer. C'est leurs intérêts personnels. C'est leurs intérêts personnels. C'est un clan qui est là, en train de, comment dirais-je, travailler. C'est eux, ils travaillent. Pour eux. Vous comprenez? Donc, voilà quoi. Moi, je vous dis qu'il faut beaucoup se méfier de ces gens-là. Je dis, hier, le débat, ceux qui ont suivi le débat, ils ont compris vraiment que ceux qui supportent, tous ceux qui soutiennent Alpha Condé, c'est des satans. Parce que quand lui, il a menti, il a dit, je dis, ils ont des chiffres qu'ils ont recopiés, qu'ils ont appris par cœur, pour essayer de se défendre. Partout où ils vont, c'est les mêmes chiffres qu'ils donnent. Partout où ils vont, ils donnent les mêmes chiffres. Sincèrement, c'est grave, quoi. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Moi, je ne comprends pas comment on peut être tellement satanique jusqu'à ce point-là. Je dis, ils n'ont même pas pitié aux gens qui ont été tués en République de Guinée. Je dis, ils n'ont même pas d'état d'âme. Mais c'est hallucinant. Maintenant, les gens qui n'ont pas suivi, le débat, vous allez voir ici, je vais répéter ici, c'est Diallo, Mo Diallo qui veut parler. Diallo, je ne sais pas, essaye de lancer, je vais voir si tu peux, si je peux te prendre avant de commencer à montrer la vidéo. Je vais montrer ici la vidéo, vous allez tous écouter, parce que je sais que certains parmi vous n'avaient pas suivi le débat. Donc, je vais mettre ça ici, tout le monde va écouter. Ce Mamoudou Silla qui est assis en Grèce là-bas, au lieu d'avoir pitié de ses frères, de son pays, il est là, il a des chiffres qu'il a appris par cœur, en train de parler d'économie, de PIB, de mégawatts, d'emploi. C'est hallucinant quoi. Sincèrement, ils n'ont pas pitié. Ils s'en fichent des Guinéens, ils s'en moquent de la Guinée. Eux, tout ce qui les importe, c'est leur intérêt personnel. Donc vraiment, c'est vraiment grave. Vous avez vu? Écoutez-moi ça. Je vais faire écouter ça, vous allez voir. Attendez un instant. Rien à dire, je te rejoins 100%. Écoutez un peu, attendez. Ça c'est Mamoudou Silla. Rien à dire, je te rejoins 100%. Ça, je te rejoins. Rien à dire, parce qu'à un moment donné, on devient stupide, on devient con. On devient ignorant de ce qu'on est en train de dire soi-même. Ouais. Si aujourd'hui tu vas dire que les gens-là doivent s'unir, doivent se donner la main, que demain tu dis parce qu'ils se sont donné la main que ce n'est pas la peine, qu'il ne faut pas avoir, qu'est-ce qu'on veut en fait? Qu'est-ce qu'il veut? Donc lui, il veut que les gens restent à dire
Non, ce n'est pas en fait ça. Lui-même, en personne, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il ne sait pas ce qu'il veut. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, tu mélanges tout. Aujourd'hui, c'est rouge, demain, c'est noir. Ouais. C'est comme ce que nous parlons de Macanera. Il est en train de défendre le diable. Aujourd'hui, il dit c'est ça. Demain, il dit le contraire. Et aujourd'hui, c'est lui qui se met devant les Guinéens, dit qu'il est le meilleur président. Il est le mieux placé pour continuer à gérer ce pays. Qu'ils ne sont pas, eux aussi, des animaux. Ils doivent parler au nom de la Constitution, au nom du pays. Et mais, mon cher, aucun Guinéen n'a le droit de violer la Constitution, les lois de notre pays. Aucun Guinéen n'a ce droit. Donc, si tu es la liberté, ta liberté doit s'arrêter, celle qui commence, et là où commence celle de l'autre. Des autres. Ouais. Donc, si tu peux parler aujourd'hui, comme c'est dans leur camp, ils veulent que ça se passe comme ça, que leur champion reste au pouvoir, ils réclament cette liberté, c'est de dire que oui, c'est notre droit de demander qu'on propose une nouvelle constitution. Mais c'est trop bête de la part de ces gens-là qui veulent défendre cette idée. Ils étaient où depuis 2010 jusqu'en 2020? Bah, si c'est pas, il y a l'esprit, il y a une mauvaise idée derrière toute cette histoire. Comment est-ce qu'ils peuvent... Non, tu sais, c'est ce que je... Tu sais, moi, Silla, c'est ce que je dis souvent, en fait. Moi, je me dis, il y a beaucoup de gens qui pensent que Alpha, c'est un grand politique, en fait. Mais moi, je ne vois pas sa politique, en fait. Parce non, moi, je ne l'ai jamais reconnu comme un grand politique. Regarde, hein, si c'était quelqu'un, si c'était un homme aguerri en politique, en fait, c'est-à-dire qu'il aurait réussi ce coup-là sans que les gens se rendent compte, en fait. Oui, c'était quelqu'un parce que dès le début, supposons en 2015, comme il était à son second mandat, il a eu son second mandat en 2015, il t'appelle ça, comme ce que Ouattara a fait. Aujourd'hui, Ouattara, s'il veut se présenter, la Constitution lui permet, mais c'est méchant. La Constitution lui permet, en fait. C'est méchant quand même. Mais mon frère, même si tu... Pourquoi tromper les gens? Enfin, on dit qu'il est politique, mais moi, je pense plutôt qu'il utilise la force, en fait. Parce qu'il a la force avec lui, c'est ce qu'il utilise. Lui, il a passé tout son temps. Si c'était la politique, il pourrait réussir depuis longtemps, en fait. Il fallait soumettre cette même Constitution, par exemple, à un référendum. Modifier quelques trucs dedans, c'est fini. Après, lorsque la Constitution allait être soumise à un référendum, vous pourriez dire que voilà, que... C'est pas fini, hein, les gars. Pas fini. Écoutez ce menteur-là. Écoutez-le. Je suis d'accord avec toi. S'il n'y avait pas l'UFDG en Guinée, pas l'opposition, oublions l'opposition. S'il n'y avait pas l'UFDG comme contre-pouvoir d'Alpha Condé, on allait voir autre chose en Guinée. Beaucoup de choses. Ils ont peur. Écoute-moi! Ils ont peur de faire beaucoup de choses en Guinée parce qu'il y a un contre-pouvoir dur, fiable, qui les empêche. Parce que nous le savons que l'UFDG est majoritaire pour tous les partis politiques en Guinée. Je te dis ça, je te donne ma tête à couper. Tu comprends? Mais on n'est pas à ce niveau. Alpha Condé a organisé les élections législatives, c'est un calcul politique. Pour le cas de Macanera, il s'appelle... Macanera s'appelle Macanera Cheitan. Écoute-moi. C'est un Cheitan. En fait. C'est pas une politique. Lui, d'abord, rien ne m'étonne. Moi, j'ai parlé de ça. Les gens peuvent en témoigner. Macanera, je savais. C'est vous les dites, donner le résultat d'une recherche politique qu'on a non, une analyse politique. C'est pas une analyse politique que tu étais. Si tu soutiens Ousmane Gawal. Macanera, c'est pas nous. Si tu soutiens Ousmane Gawal, c'est aujourd'hui Ousmane Gawal qui ne se reconnaît pas élu du peuple. Hein. C'est aujourd'hui Ousmane Gawal doit savoir le combat du peuple pour les 10 s'ils ne viennent pas au palais du peuple pour les empêcher le 5 de siéger, qui vont siéger. Ça veut dire que le peuple est d'accord. Écoute-moi, je vais te dire ce que tu n'as pas compris de son débat. Écoute-moi. Ce que tu n'as pas compris de son débat. Ce que tu n'as pas compris de son débat. Il a donné même un exemple. Si les députés vont siéger à l'Assemblée,
ils vont empêcher Alpha Condé de proposer une nouvelle constitution parce qu'il n'aura pas les deux tiers. Non, écoute-moi, il a dit ça. Il a dit ça, oui ou non? Il a dit ça. Peut-être que tu n'as pas suivi. Tu n'as pas fait une analyse politique. Mon frère, tu as lu ça, mais tu n'as pas compris. Je comprends. Je dis à tous les militants de tous les partis politiques, personne ne doit se décourager de son parti politique. Personne. Tout le monde n'a qu'à rester derrière son leader, quel qu'en soit l'acte posé par les députés de l'opposition. C'est ça, pour répondre à Alpha Condé. Tu sais, quand quelqu'un... Tu sais, quand je suis avec toi, je dois savoir ce que tu veux de moi. Si tu veux m'énerver, tous les actes que tu vas poser, je ne vais jamais m'énerver. Si je sais que ton objectif, c'est de m'énerver, même si tu viens me gifler, je ne te regarde pas. Parce que je sais ce que tu veux de moi. Donc, les gens n'ont qu'à savoir que tout ça, c'est pour affaiblir les partis politiques. C'est pour cela Alpha Condé et son gouvernement ont agi de la sorte. Sinon, ils pouvaient organiser les élections législatives depuis, avant la fin du mandat des députés. On a quitté ce point. Parce que je ne veux pas. Je viens sur Ousmane Gawal. Ousmane Gawal est l'une des personnes aujourd'hui et à qui j'avais. Il est parmi des gens qui me déçoivent aujourd'hui dans ce pays que je ne comprends pas. Et tu oses me dire qu'il parle à son nom. Un chargé de compte d'un parti politique qui vient jouer avec la mentalité des Guinéens. Les jeunes sont morts. Il y a eu plus de 100 et combien de jeunes qui sont tombés. Leur famille, il y a certaines personnes dans ces 112-là qui étaient l'espoir de leur famille. Capo Rail. Les gens, leurs maisons sont saccagées à cause de partis politiques. Voilà. Personne ne va me dire que là-bas. Je pense qu'on a écouté suffisamment ce grand menteur. Vous savez, en ce moment, il n'était pas le soi-disant communicant RPGiste. En ce moment, il était le patriote guinéen qui parlait au nom de tous les Guinéens, qui parlait en patriotisme. C'est-à-dire, en ce moment, lui, c'est la Guinée qui l'intéressait. Donc, depuis maintenant qu'ils ont commencé à être rémunérés, ils ont commencé à parler, en fonction du programme de l'intoxication. Vous savez, c'est-à-dire, là, aujourd'hui, c'est de l'intoxication. Voilà. Donc... je ne sais pas si les Guinéens vont enfin comprendre ces gens-là, c'est des gens qu'il faut éviter. Ils sont en train d'intoxiquer toutes les informations sur les réseaux sociaux concernant la Guinée. Aujourd'hui, tout ce qui est CNRD, tout ce que ceux-là vous disent concernant le CNRD, que personne ne prend ça en compte. Personne ne doit prendre en compte ce que ceux-là disent. C'est pour cela qu'il faut éviter même leur page. C'est très important. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre tout ce qu'ils disent et de télécharger. Ça, c'est très important. Vous avez vu, par exemple, ça, il l'a dit, en ce moment, il n'était pas rémunéré au RPG. Il n'était pas payé pour parler. Donc, c'est en ce moment qu'il a parlé comme ça. Il disait, là, il était sincère. Quand il donnait sa tête à couper... Hein? Quand il donnait sa tête à couper à cause de Seydou d'Alain Diallo, il disait la vérité. Parce que si ce n'était pas l'UFDG, Alpha Condé allait faire ce qu'il voulait en République de Guinée. En ce moment, lui, il était sincère. Donc c'est pour cela, nous les Guinéens, nous devons savoir que ces gens aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de mobiliser des gens ici en Europe pour manifester pour la libération d'Alpha Condé, pour vous dire à tel point qu'ils sont des zéros, ils sont des gens, ils sont des ennemis de la nation. Parce que c'est ça la vérité. Quelqu'un qui lutte pour son intérêt personnel et qui parle au nom de la nation, eux, ils parlent au nom de la nation. Vous avez vu l'autre jour le ridicule qu'ils ont semé ici à Paris et à Bruxelles. Hein? Comment se fait-il qu'une nation... Vous voulez manifester pour la libération d'un ex-président qui n'était pas légitime, que le peuple même est satisfait pour sa détenue. Vous êtes là, vous manifestez ici pour la libération de cette personne-là. C'est pour cela que vous n'avez pas du monde. Aujourd'hui, ils veulent faire quoi? Ils veulent prendre des cars. Imaginez-vous,
avec l'argent des Guinéens, je dis bien avec l'argent des Guinéens, ils vont prendre des cars, ils vont louer des cars partout en Europe pour faire venir des gens à Bruxelles pour manifester pour la libération d'Alpha Condé. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ils sont en train, hein? Comment dirais-je? L'autre là, comment dirais-je? Idrissa Diallo, il dit, je ne dois pas faire débat avec ces gens-là. Oui, comment dirais-je? Diondje, ça va? Je dis bien, c'est pas parce que j'ai fait le débat pour ouvrir les yeux des Guinéens. C'est pour cela que j'ai accepté le débat avec ces satans. Vous savez, moi je sais très bien que c'est des menteurs. Je le savais, c'est pour cela que je savais très bien aussi que j'allais lui laver avec de l'eau javel. C'est pour cela que lui il ne savait pas que moi je détenais la vidéo que lui-même il a parlé. Moi je n'avais même pas besoin de parler. J'avais tout simplement besoin de venir mettre la vidéo que lui-même, là où il a parlé en âme et conscience, là où il n'était pas payé, quand il parlait de sincérité, de vérité, je devais tout simplement venir mettre. Mais moi, je lui ai laissé d'abord le temps de mentir, de donner des chiffres. Il parlait du bilan extraordinaire d'Alpha Condé. Il a même comparé Mamou, il a même comparé la ville de Mamou en France à Paris. Il disait que Mamou est devenu comme Paris. Tellement que c'est des gens qui n'ont pas honte. Hein? Tellement que c'est des gens qui ne sont pas... Regarde le monsieur là, le Keita là, il dit que je suis mal né. Moi, tu continues à insulter, je te... Comment dirais-je? Je te supprime tout de suite. Il n'y a même pas de problème. Moi, tu répètes encore un message pareil, moi je t'enlève parce que moi je ne t'ai pas invité ici. Tu n'as pas le droit de venir ici insulter. Là, ici, c'est, nous, on dit la vérité. Nous sommes là pour défendre notre pays. Tous les malhonnêtes qui sont avec Alpha Condé, ils vont regretter. Parce que la Guinée ne va jamais libérer Alpha Condé. Si vous allez faire des manifestations, allez-y payer les gens, allez-y déposer des bus partout là où vous voulez, mais je vous assure qu'il ne sera pas libéré. Hein? Donc, voilà quoi. Donc, moi, je vous dis tout simplement que le mensonge, là, la manipulation, là, ça va finir. Parce que vous le faites parce qu'on vous paye. Quand ils vont finir de vous payer, quand il n'y aura plus l'argent, vous allez vous taire. Alors que nous allons continuer à défendre notre pays. Ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on défend aujourd'hui, c'est ce qu'on va défendre après. Quand Sellou sera président de la République, nous, moi par exemple, je défends aujourd'hui Sellou. Mais quand Sellou sera président de la République, si Sellou ne fait pas bien son travail, moi je ne lui défends plus. C'est comme ça. Parce que moi je suis patriote. Moi je ne suis pas un menteur. Moi je ne suis pas malhonnête. Donc c'est pour cela que je te dis que vous qui êtes en train de dire, de parler, tout votre problème c'est Alpha Condé. Le plus grand menteur. Le plus grand dictateur de la République de Guinée. Tout votre problème, c'est Alpha Condé. Alors que nous, Alpha Condé, c'est quelqu'un qui a présidé pendant 10 ans. La personne qui l'appelle, qui l'a dit, que c'est un voleur, le plus grand voleur de la République de Guinée, hein, ça c'est qui? C'est comment dirais-je? C'est Sellou Dalène. Il a appelé Sellou Dalène de voleur. Vous l'avez traité tous de voleur, vous qui supportez Alpha Condé. Mais pourquoi en 10 ans? En 10 ans, Alpha Condé n'a pas mis Sellou Dalène en prison. En 10 ans de pouvoir, il n'a pas des preuves pour même auditer Sellou Dalène Diallo. Et vous croyez à ce qu'il dit. Hein? Vous croyez à ce qu'il dit. C'est parce qu'on vous a fait un lavage de cerveau. Donc, voilà quoi. Donc, moi, je vous dis tout simplement, si vous continuez à insulter, moi, je vous enlève là et puis c'est tout, c'est bloqué. Hmm? Voilà, donc c'est ça quoi. Moi, j'adore les critiques, hein. C'est pas parce que je n'aime pas les critiques, j'aime les critiques. Mais il ne faut pas venir sur ma page pour m'insulter parce que je dis la vérité. Moi, je dis la vérité. Je dis très bien que la personne avec qui j'ai fait le débat hier, Mamoudou Silla, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Et toute son équipe. Vous avez vu hier, si vous avez regardé tous les commentaires d'hier, c'était des gens qui étaient avec eux. C'est une équipe qui est venue.
C'est des manipulateurs, des menteurs, quoi. Moi, je n'ai invité personne à venir. Moi, je sais que je vais parler au peuple de Guinée, au peuple souverain. Moi, je ne me prépare même pas. Pourquoi je vais me préparer pour parler de mon pays? Pourquoi je vais aller écrire des chiffres, hein, pour parler de mon pays? Moi, je ne me prépare pas pour parler du bilan d'Alpha Condé. Parce que je sais qu'il n'y a pas de bilan. Le bilan, c'est quoi? La dictature, l'ethnocentrisme, hein? C'est-à-dire la mauvaise gouvernance, le pillage, hein, les mauvaises routes, hein, le courant qui n'est pas suffisant, l'électricité qu'il a mis en Guinée, à Conakry par exemple. Ça, c'est pas de l'électricité. Vous qui demandez aujourd'hui, quand Swapiti sera fini, quand Swapiti sera inauguré, les Guinéens auront le courant. Mais actuellement, le courant qui se trouve à Conakry, ça c'est un courant, ça c'est un voltage qui ne vaut rien. Hein, le courant là, le courant que nous avons là-bas, ça ne vaut rien. C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui meurent même. Hein? Il y a beaucoup qui meurent même à cause de cette électricité. Et on n'a rien là-bas, rien du tout. En Guinée, rien. Même les routes. Hier, il est venu ici avec, comment dirais-je, avec des chiffres. Soi-disant, ils ont fait, je ne sais pas, 2000, je ne sais pas combien de kilomètres de route. Ils ont fait une autre route. Alors que de Conakry à Koya, on peut faire 3 heures de temps. De Conakry à Koya, on fait 3 heures. De Kaloum à Koya, on fait 3 heures de temps. Imaginez-vous ça. Vous pensez qu'il y a un bilan à Conakry? Il y a un bilan en République de Guinée? C'est quel bilan? C'est de quel bilan vous avez? Vous avez quel bilan? Combien de personnes ont été emprisonnées qui sont des innocents? Vous pouvez parler de bilan, vous? C'est quel bilan vous allez parler? Combien d'innocents, combien de gens ont péri en prison? Hein? Imaginez-vous, moi je l'ai même parlé le cas de Roger Bamba. Roger Bamba qui est mort pourquoi? Pour rien. Pour défendre la démocratie. Et vous aussi, vous aimez votre pays, vous aimez votre nation. En tant que jeune, pourquoi ne pas défendre Roger Bamba? Pourquoi ne pas dire que Alpha Condé n'avait pas le droit de l'emprisonner? Pourquoi vous n'avez pas défendu Ismaël Condé, quelqu'un qui était RPGiste, un digne cadre, hein? Un digne fils du pays de la Guinée, un RPGiste. Lui-même, il a démissionné parce que ce que son président voulait, ce n'était pas bien. Hein? Hein? Oui, Keïta, tu dis que moi, je mens. Mais moi, le peuple de Guinée sait que je ne mens pas. Toi-même, tu sais que moi, je ne mens pas. Mais tu es contre moi parce que tu sais que moi, je dis la vérité. Je dis la vérité au peuple. C'est ça. Le peuple de Guinée sait que moi, je ne mens pas. Je dis la vérité. Pourquoi vous n'avez pas défendu Ismaël Condé quand Alpha Condé l'a mis en prison? Qu'est-ce que Ismaël Condé a fait? Qu'est-ce que Ismaël Condé a fait si ce n'est pas dire la vérité à Alpha Condé? Vous soutenez quelqu'un à qui on ne peut même pas dire la vérité. Hein? Vous pensez que moi, par exemple, Seloudalé ne peut pas me mettre dans des pétrins? Moi, demain, si c'est lui le président, s'il ne fait pas bien les choses, je vais m'asseoir ici sur ma page, je vais critiquer. Je vais dire, ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Il ne peut pas mettre les Guinéens en prison comme ça. Hein? Il ne peut pas mettre les Guinéens en prison comme ça. Moi, je ne peux pas accepter cela. Je ne peux pas accepter cela. Mettre les Guinéens, les innocents en prison comme ça. Pourquoi il a mis Abdoulaye Ba en prison? Qu'est-ce qu'Abdoulaye Ba a fait? Qu'est-ce que Serif Ba a fait? Hein? Aujourd'hui, vous avez vu, avec tout ce que l'argent, tous les ministres d'Alpha Condé, tout ce qu'ils ont volé, les Diané et autres, les Kassori Fofana, aujourd'hui, on ne les a pas encore mis en prison parce que c'est la justice qui va trancher. C'est la justice qui est la boussole de tous les Guinéens. On ne prend pas des gens comme ça parce qu'on a l'intention, on a des comment dirais-je, on a l'impression qu'ils ont volé, ou bien quelqu'un nous a dit qu'ils ont volé. On les prend, on les met en prison. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Pourquoi on va les mettre en prison comme ça? Pourquoi? Donc, il n'y avait pas de justice au temps d'Alpha Condé. Il n'y avait pas de justice. Vous qui demandez aujourd'hui la libération d'Alpha Condé, vous voulez saboter notre pays. Vous êtes en train de saboter notre pays. Hein? Tu vois? Donc, moi, je sais que dans peu de temps, vous allez voir beaucoup de révélations. Il y aura beaucoup de révélations sur le camp de l'ancien régime. Vous allez voir, tous les Guinéens vont être étonnés. Je dis bien,
tous les Guinéens vont être étonnés. C'est la vérité. On ne peut pas dire seulement comme ça parce qu'on a entendu quelqu'un dire. Quand je vais parler des révélations, ce n'est pas parce que seulement quelqu'un a parlé. Ça sera vraiment prouvé. C'est pour cela que je vous dis que moi, les informations que j'ai, si cela est confirmé, tous ceux qui sont en train de demander la libération d'Alpha Condé, ils vont se taire. Je dis bien, toutes les informations que j'ai concernant le régime d'Alpha Condé, le jour que cela va sortir, tous ceux qui demandent la libération d'Alpha Condé, ils vont se taire. Parce qu'ils ne vont plus pouvoir parler au nom de la Guinée. Parce que celui qui aime la Guinée, après ce qui va sortir là, ceux qui aiment la Guinée, tout le monde va demander qu'Alpha Condé ne sorte plus en prison. Qu'ils vont prendre tous les gens là encore, tous ceux qui l'ont soutenu encore pour les mettre en prison. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Mais écoutez, ce que le colonel a dit, je pense que vous comprenez le français. Parce qu'il ne parle pas les gros mots. Lui, il parle le français juste, le français normal. Que tous les Guinéens vont comprendre ce qu'il dit. Il dit qu'il n'y aura pas la chasse aux sorcières. C'est la justice qui sera la boussole de tous les Guinéens. Ça, c'est du français normal. Tout le monde doit comprendre cela. Mais il paraît qu'il y a certaines qui ne comprennent pas ça. Quand on vous dit qu'il n'y aura pas la chasse aux sorcières, ça, c'est la justice qui fera son travail. Mais il faut comprendre que ceux qui ont fait mal à ce pays-là, ceux qui ont aidé Alpha Condé réellement à malmener ce pays-là, à détruire ce pays-là, c'est la justice qui va faire son travail. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas le CNRD qui va faire ce travail. C'est la justice qui fera le travail. Et vous qui comprenez bien le français, vous comprenez, vous savez. Vous savez ce qui veut dire la boussole, ce qui veut dire la justice. Donc, c'est même pas la peine. On n'est pas au temps d'Alpha Condé où on kidnappait les gens pour les amener là-bas. Hein? Non, on a fini ça. On ne règle pas, c'est-à-dire l'injustice, on ne le règle pas avec de l'injustice. Non, nous ne sommes pas d'accord. Si aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya, il prend les Guinéens comme ça pour les mettre en prison, moi je vais venir dénoncer ça ici. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'on prenne les Guinéens, qu'on les met en prison comme ça. Il faut que la justice fasse son travail d'abord. Il faut que la justice travaille. C'est ce que nous voulons. Et que le CNRD ne se mêle pas de ces, comment dirais-je, du travail de la justice. C'est ce que nous demandons. Donc, et c'est ce que le colonel a dit. Et si vous pensez que si le colonel vient, à parler, si le colonel commence à mettre les gens en prison comme ça, est-ce que nous allons pas nous défendre? Non, nous allons nous défendre. Nous allons dénoncer cela ici. On va dénoncer nous ne sommes plus au temps d'Alpha Condé. C'est pas parce que quelqu'un a dit ce qu'il pense, il faut lui prendre pour lui mettre en prison. C'est pas parce que quelqu'un est contre le régime qu'il faut lui prendre pour lui mettre en prison. Nous ne sommes pas d'accord sur ça. Ce que nous ne sommes pas d'accord, c'est que la justice ne fasse pas son travail. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Voilà. Et là, pour le moment, on s'est bien fait. La justice fera son travail. C'est la boussole de tous les Guinéens. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, mais je vous dis que l'injustice, on ne le règle pas avec de l'injustice. Hein? Lui là, il me demande les nouvelles générations, oublions des anciens. Mais Keita me dit de parler des nouvelles générations, d'oublier les anciens. Mais je ne sais pas, Monsieur Keita, nous sommes en transition. La Guinée est en transition. Nous ici, ce que nous voulons, c'est que vraiment que la transition là se passe bien, se déroule dans les meilleures conditions. Nous soutenons le CNRD parce que nous savons qu'ils sont en train de poser des actes pour vraiment qu'il y ait un consensus. C'est ça. La nouvelle génération, ce qui est clair, ce qui s'est passé depuis au temps de Sékou Touré jusqu'à la finish d'Alpha Condé, ça ne va plus se répéter en République de Guinée. Ça ne va plus. Vous avez vu déjà ce qui s'est passé au temps de l'Ansana Conté et au temps d'Alpha Condé, c'est différent.
Parce que les gens qui pensaient que, au temps de l'ancien Conté, ce qui se faisait là, on ne pouvait pas être, comment dirais-je, on ne pouvait pas éclaircir tout. Mais au temps d'Alpha Condé, de 2010 jusqu'à là, tout est éclairci. Parce que quand vous faites quelque chose, on vous filme en live. Au temps de l'ancien Conté, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas d'Internet. C'est pour cela, beaucoup de choses se sont passées sans que les Guinéens se rendent compte. Mais il faut savoir que nous sommes aujourd'hui dans un monde planétaire. C'est-à-dire, Alpha Condé a pris le pouvoir en 2010. Et Alpha Condé était l'espoir d'une nation, l'espoir de l'Afrique. Il faut savoir cela. Alpha Condé était l'espoir de l'Afrique. Donc tout le monde pensait qu'Alpha Condé allait changer la Guinée pour le bien-être de la sous-région. Même si il n'avait pas gagné les élections, mais quand même, il y avait beaucoup de gens qui étaient derrière Alpha Condé. Alpha Condé est venu, il n'a rien fait. Imaginez-vous quelqu'un qui vous dit que ça a mal sens, c'est parce que quand il a pris le pouvoir, son petit frère est décédé. C'est que c'est son petit frère qui connaissait la Guinée. Lui, il ne connaissait pas la Guinée. Imaginez-vous quelqu'un qui justifie ses échecs parce que son petit frère est décédé. Lui, là, il est venu pour gouverner le pays. Moi, c'est pour cela que je dis, tous ceux qui soutiennent Alpha Condé, c'est des gens qui ne sont pas réfléchis. C'est des gens qui suivent leurs intérêts personnels, pardon. C'est des gens réfléchis, c'est des gens qui sont intelligents, mais c'est leurs intérêts personnels qu'ils mettent devant. Mais sinon, Alpha Condé a démontré par A plus B qu'il n'est pas capable de diriger une nation. Il l'a montré par A plus B. Quand quelqu'un s'assoit devant moi, me parler de bilan, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce que déjà, qui a fait ce bilan? Parce que pour moi, il n'a pas été président. Il n'a jamais été président. Tout ce qu'il a fait, il a détruit tout. Parce que déjà, les deux mandats, il a juré devant le président de la Cour constitutionnelle qu'il ne fera pas de troisième mandat. Il a juré. Et après avoir juré, il finit le mandat. Maintenant, il veut encore un troisième mandat. Il change la constitution sans le consensus. Une constitution, on peut la changer. On peut la changer. Mais il fallait impliquer tous les acteurs politiques d'abord. Il faut que tout le monde soit d'accord. Mais vous avez déjà la majorité des Guinéens disent non. Et vous, maintenant, vous dites oui parce que vous avez donné de l'argent aux gens qui vous ont accompagné pour faire l'équipe qu'il faut pour pouvoir voler, manipuler, trahir, hein, détourner. Vous vous dites que maintenant vous êtes légal. Vous n'êtes pas légal, vous n'êtes pas légitime. Heureusement qu'on avait quelqu'un comme Ella Sélou-Dalein Diallo qui a accompagné les élections, qui est parti vraiment barrer la route au troisième mandat. Parce que si ce n'était pas Ella Sélou-Dalein Diallo, on allait avoir un troisième mandat. Parce que lui, il allait dire que il a organisé des élections, personne n'est venu participer. Parce que ceux qui étaient avec lui, ceux qui avaient participé, déjà, c'est Alpha Condé qui les avait donné de l'argent pour participer aux élections. Parce que la majorité des Guinéens, les partis politiques guinéens ne voulaient pas. Même Ella Sélou-Dalein Diallo, c'est à la dernière minute qu'il s'est décidé de partir. Mais heureusement qu'on a eu la chance que Alhadji Sélou s'est présenté dans ces élections-là. Même moi, j'étais contre. Même moi, j'étais contre. Hein? Donc, voilà quoi. Donc, moi, je vous dis que sincèrement, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, Ella Sélou-Dalein Diallo. Tous ceux qui disent que Alhadji Sélou-Dalein a volé la Guinée, c'est Alpha Condé qui a monté tout ça, son clan qui a monté tout ça. Maintenant, vous qui le dites, pourquoi vous n'avez pas dit à Alpha Condé de prendre Sélou-Dalein Diallo, de lui mettre en prison? S'il sait que c'est le plus grand voleur de la Guinée. Lui, il est président de la République. Il connaît le plus grand voleur. Il n'est pas capable de lui mettre en prison. Ça, c'est bête. Mais c'est bête. C'est pour cela que quand j'entends les gens disent, les gens soi-disant communicants RPGistes, vous ne faites que mentir. Ils le traitent de n'importe quoi à Sélou-Dalein Diallo. Ils n'aiment pas une personne propre. Ils n'aiment pas une personne patriote. Tous ceux qui soutiennent Alpha Condé n'aiment pas les dignes fils de la Guinée. C'est pour cela, quand vous les parlez de Fonike Mbengue, ils vont saboter. Vous les parlez de Sékou Koundouno, ils vont saboter. Vous les parlez de Ismaël Condé, ils vont saboter. Vous les parlez de Souleymane Condé, ils vont saboter. Vous les parlez de Rosé Bamba, ils vont le tuer. Vous les parlez de Amadou Djoulé Diallo, ils vont l'emprisonner. Vous les parlez de Ablaïba en prison.
Vous voulez parler de Ousmane Gawal en prison. Vous voulez parler de Chérif Ba en prison. Vous voulez parler de Ella Sellou Daleng. Ils insultent. Ils n'osent même pas le soi-disant, eux, le vrai, le détourneur de la République de Guinée. Ils n'ont même pas osé lui convoquer à la police. Vous n'avez même pas osé, en 10 ans de pouvoir, convoquer Sellou Daleng à la police pour qu'il se justifie. Vous, vous êtes quoi? Vous êtes que des malhonnêtes. Tout ce que vous dites là, les Guinéens savent. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour ouvrir les yeux des Guinéens. C'est pour les faire savoir comment vous êtes. C'est pour cela, les vidéos comme ça, c'est pour cela. Voilà. Les vidéos comme Mamoudou Silla. Voilà. Le RPZ n'a pas pu voter des lois organiques. Je suis d'accord avec toi. S'il n'y avait pas l'UFDG en Guinée, pas l'opposition, oublions l'opposition, s'il n'y avait pas l'UFDG comme contre-pouvoir d'Alpha Condé, on allait voir autre chose en Guinée. Beaucoup de choses, ils ont peur. Écoute-moi! Ils ont peur de faire beaucoup de choses en Guinée parce qu'il y a un contre-pouvoir dur, fiable, qui les empêche. Parce que nous le savons que l'UFDG est majoritaire pour tous les partis politiques en Guinée. Je te dis ça, je te donne ma tête à couper. Tu comprends? Vous avez compris? C'est pour cela que nous sommes là, pour ouvrir les yeux des Guinéens. Voici les malhonnêtes. Ils passent tout leur temps sur les réseaux sociaux en train de mentir aux Guinéens. Et nous n'allons pas laisser nous faire. Nous allons rester là pour dénoncer cela, pour ouvrir les yeux des Guinéens, pour qu'ils puissent savoir que la Guinée, là, n'importe pas à ces gens-là. Ce qui les importe, c'est leurs intérêts personnels. Eux-mêmes, ils savent, la Guinée, majoritairement parlant, c'est l'UFDG. Mais ils sont là en train de saboter. C'est des bandits, c'est Sellou Daleng, le boulanger, le voleur, rentrer là, sortir là. Et alors que eux-mêmes, ils reconnaissaient que Sellou Daleng Diallo, sans Sellou Daleng Diallo, Alpha Condé allait faire tout ce qu'il veut. Il donne même sa tête à couper. Tellement qu'il est convaincu de Sellou Daleng Diallo. Mais aujourd'hui, parce qu'ils lui ont donné de l'argent, parce qu'il y a son intérêt personnel, il s'assoit sur sa page, il raconte des histoires. Moi, je dis, on ne laissera pas passer ça. On ne laissera pas passer ça. On va dénoncer. Hier, j'ai fait un débat avec lui où il a menti, où il a donné des chiffres inexistants, des mensonges, des chiffres que lui-même il a appris par cœur. Et il parle de l'électricité, il parle de routes, d'infrastructures. C'est-à-dire, nous on sait Alpha Condé les infrastructures qu'il a fait, c'est pour son propre intérêt. C'est pour son propre intérêt. Tout ce qui est de bauxite pour piller le bauxite en Guinée, il a tout réglé avec. On a vu tout. Les Chinois ont tout fait pour pouvoir travailler. Ce n'est pas pour la Guinée. L'argent qu'ils ont pris là, les 80 millions de tonnes qu'ils importent par an, c'est passé où? On n'a même pas des écoles. Même en Haute-Guinée, là où Alpha Condé est, là où on dit que c'est son fief en Haute-Guinée, il n'y a même pas des écoles là-bas. Il n'y a même pas d'électricité. Il n'y a même pas d'électricité. Il a promis en Haute-Guinée l'électricité pendant 10 ans. Il n'a pas fait. Et quand il a vu que maintenant, il lui faut un troisième mandat encore, il veut forcer, il est venu avec son premier ministre, Kassori Fofana, pour dire qu'il n'a pas pu faire ça parce que le Chinois est mort. Vous pensez que nous sommes bêtes? Vous pensez que les Guinéens vont avaler cela? Hein? Vous vous moquez de la Haute-Guinée. Vous pensez que Haute-Guinée, c'est le clan d'Alpha Condé seulement? Non, non, non. En Haute-Guinée, il y a des RPGistes qui ne sont pas bêtes. Il y a des RPGistes qui ne sont pas malhonnêtes. Il y a des RPGistes qui ont dit non à Alpha Condé. Il y a des RPGistes qui ne sont pas d'accord sur le troisième mandat. C'est pour cela, nous, on dit que c'est un clan qui est là, comme les Mamoudou Silla. Vous avez vu, vous-même, vous avez écouté ce que lui-même il dit. Il donne même sa tête à couper. Tellement qu'il est sûr de Sellou Daleng et de l'UFDG. Il donne sa tête à couper. Et maintenant, il est là, il dit n'importe quoi. Quand tu les parles, il parle de bilan. De quel bilan parlez-vous? De quel bilan parlez-vous? Hein?
Quel bilan parlez-vous? De quel bilan? Au lieu d'avoir pitié au moins, on lui a demandé, on lui a même posé une question hier. Le modérateur, M. Sam, lui a posé même une question concernant vraiment voilà, toutes les victimes. Il n'a même pas eu le courage de dire vraiment que c'est lamentable. Hein? Il n'a même pas dit, eu le pitié des gens qui sont morts pour dire vraiment c'est lamentable quand on lui a posé la question. Hein? Mais c'est grave. C'est grave. Imaginez-vous tous les gens qu'on a perdus, tous les combattants qu'on a perdus. Imaginez-vous ceux qui sont décédés. Pourquoi? Pour la République de Guinée. Ils sont morts en défendant le peuple guinéen, en défendant la démocratie. Ils se sont sacrifiés pour nous, les Guinéens. Aujourd'hui, nous, si nous ne sommes pas reconnaissants en ceux-là, vraiment, ce n'est pas la peine de sortir parler sur les réseaux sociaux. Parce que ceux-là, ils se sont donnés, ils ont donné leur vie à cause de nous. La moindre des choses que nous pouvons faire, c'est de nous lamenter sur le régime qui a provoqué tout ça. Parce que lui-même, Silla, il disait dans ses anciennes vidéos, nul ne doit changer une constitution. Nul n'a le droit de changer une constitution. Alors que lui, aujourd'hui, il soutient la personne qui a changé la constitution guinéenne. Sans un consensus. Sans un consensus. Parce que le consensus, avec le consensus, il n'y a pas de discussion. S'il y avait un consensus, il n'y aura pas de FNDC. S'il y avait un consensus, tous les opposants que nous avions, ils allaient participer au référendum. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de consensus, c'est pour cela. Donc c'est pour cela que je dis que vraiment, quand nous avons un régime où le premier ministre peut s'asseoir devant les gens, dire que nous n'avons pas réussi à faire ce qu'on vous a promis, hein? Ce qu'on vous a promis, parce que le Chinois est mort, c'est pour cela qu'on n'a pas pu, installer de l'électricité en Haute-Guinée. Quand on a un premier ministre qui a l'audace de dire ça devant son peuple, mais sincèrement, je ne sais pas c'est de quel bilan nous allons parler. Moi, c'est pour cela, moi, je dis, je ne me préparerai pas pour débattre sur le bilan d'Alpha Condé. Je ne vais pas me préparer pour ça. Je ne peux pas aller chercher des chiffres pour parler d'un bilan négatif. Alpha Condé, même s'il avait transformé la Guinée comme Dakar ou comme Abidjan, il n'avait plus le droit de rester là. Il n'avait plus le droit de rester là. Donc tous les Guinéens qui l'ont soutenu, ils sont dans le tort, dans le mensonge. Ils sont dans des erreurs. Donc ces Guinéens-là doivent réfléchir et savoir que nul n'a le droit de toucher à la Constitution sans un consensus. Je dis nul. Personne. Donc, si vous pensez que nous, si nous, on acceptait cela, mais la Guinée n'allait plus être un État. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes en train de défendre l'État guinéen. Nous sommes en train de défendre la nation guinéenne. Parce que c'est une nation. Ce n'est pas pour un clan. Hein? Ce n'est pas un clan. Donc, si maintenant, nous ne défendons pas cela, en ce moment, c'est quoi? Alpha Condé a changé la constitution. Il est parti, il a fait deux mandats, il a fait encore trois, quatre mandats, je ne sais pas. Il est mort. Un autre vient. Voilà, lui aussi, il est là. Lui aussi, il pourra changer la constitution. Ou bien lui aussi, il peut continuer à faire des mandats jusqu'à là où il veut. Parce que quoi? Parce que tout simplement, c'est une continuité. C'est pour cela, on a dit, ce qui s'est passé au temps de Sékou Touré, ce qui s'est passé au temps de l'ancien Conté, on avait dit à Alpha Condé, c'est avec là maintenant, à partir de maintenant, on va aller sur des bases de la démocratie. C'est fini. Tu fais ton mandat. Si tu as encore le courage de te représenter, tu te représentes. Si tu es reconduit, tu passes encore. Tu fais un deuxième mandat. Maintenant, après, si tu finis, tu laisses le pouvoir à un autre. Un autre RPGiste pourrait venir se présenter. Mais il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Sans changer la constitution. Il pouvait présenter un autre. Mais non. Ils ont dit, eux, ils ont pris tout l'argent guinéen pour investir dans le mensonge, dans la manipulation, dans la corruption. Et vous êtes là aujourd'hui, vous parlez de vérité. C'est quelle vérité vous parlez?
C'est quelle vérité vous parlez? Vous pensez que ça va, ça pouvait passer comme ça. Depuis qu'Alpha Condé est investi là, nous on vous a dit que ça ne marchera pas. Alpha Condé n'est pas légitime. Il n'est pas légitime. Aujourd'hui, vous criez, vous dites que voilà, quelqu'un est venu prendre un président légitime. Il a kidnappé le président. Non, non, non. Si Mamadi Doumbouya est venu prendre Alpha Condé sans qu'il y ait des dégâts, c'est parce que tout simplement, les Guinéens en avaient marre. Les Guinéens ne voulaient pas d'un président illégitime. C'est pour cela, en 2 heures de temps, c'est fini. Les Guinéens continuent leur travail. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de se préparer. Mais vous allez voir, ils vont tous les attraper. Tous ceux qui vont tenter là, ils vont tous être arrêtés. Ça, c'est clair. Donc...